Ah. À propos, les personnages de cette comédie ne sont pas des gens tout à fait comme les autres. Non. Si par bien des aspects ils nous ressemblent, ils ont par contre une vertu qui nous manque bien souvent, c'est l'innocence. Et s'il leur arrive de dire des choses un peu folles, c'est peut-être parce qu'ils ont plus de logique que vous et moi. Et s'ils font des choses également folles, c'est tout simplement parce qu'ils ont plus de courage que vous et moi. Non, leur secret, c'est qu'ils n'ont pas peur du ridicule. Ils font en société ce que nous faisons, nous, quand nous sommes tout seuls dans notre chambre. Et ils disent avec beaucoup de naturel ce que nous disons avec beaucoup d'effort quand nous sommes pris au dépourvu et que précisément nous voudrions dire des choses très sérieuses. Peut-être vous demanderez-vous si ces personnages sont vrais ou faux. Mais, après tout, chacun de nous n'est-il pas à la fois vrai et faux, enfin. Quant à l'histoire, elle est sûrement vraie. D'ailleurs, elle est arrivée quelque part. Par ici, Don Dionisio. Par ici. Vous avez fait bon voyage? Oui, très bien, je vous remercie. Oh, que c'est joli, ça. Oui, toute neuve. Toute neuve. Par ici. L'hôtel est bondé, vous savez. Ah bon? Oh, qui bondé? Là. C'est au neuf. Ah, c'est au neuf. Oui. Voilà. Entrez. Non, non, je vous en prie. Non, non, après vous. Ah, non, je vous en prie. Non, non, voilà. Don Dionisio, voilà la chambre. Elle est très coquette, cette chambre, Don Rosario. C'est la plus vaste de l'hôtel, Don Dionisio, et la mieux aérée. Le balcon donne sur la mer, et la vue est splendide. Venez voir. Venez. Pardon. Là. Oui, en ce moment, on ne voit pas très bien parce qu'il fait nuit, mais regardez là-bas, sur le port, les petites lumières. L'effet est très joli, tout le monde le dit d'ailleurs. Vous les voyez? Ah non, non, attendez. Non, je ne vois rien. Seriez-vous myope, Don Dionisio? Ah non, 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 non. Et pourquoi? Ben parce que vous ne voyez pas les petites lumières. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Ah non, 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 non. Écoutez, je vous en prie. Il fait déjà un froid de canard. Pardon. Ah, oui, oui, oui. Il me semble en effet que j'aperçois quelque chose. Vous voulez dire ces trois petites lumières? Au diable, là-bas. C'est ça, vous y êtes. C'est en effet très joli, oui. Il y en a une qui est rouge, n'est-ce pas? Ah non, les trois sont blanches. Ah, il me semble pourtant que j'en ai vu une rouge vif. Attendez. Non. C'est celle de gauche. Oui, Don Dionisio, c'est impossible. Je vous assure que... Non, non, c'est absolument impossible, et voici pourquoi. Depuis 15 ans que je montre à mes clients les petites lumières du port, jamais personne ne m'a signalé qu'il y en avait une rouge. Mais vous ne les voyez pas? Dis-moi. Oui. Ah non, non, moi j'ai la vue beaucoup trop faible, non. Non, mais mon père, avant de mourir, m'a dit... Écoute, petit, du balcon de la belle chambre verte, on voit dans le lointain les petites lumières du port. Tu peux les montrer à tes clients et ils sont ravis. Mon défunt père les montrait toujours. J'ai suivi la tradition. Mais vous avez très bien fait, Don Rosario. Mais je vous assure qu'il y en a une rouge. Eh bien, tant mieux. À partir de maintenant, je dirai à mes clients qu'on distingue trois lumières, deux blanches et une rouge. Et ils seront encore plus contents. Oh, oh non, la vue est vraiment splendide de cette fenêtre. Et encore, ça n'est rien. Le jour, c'est beaucoup plus beau. Bien sûr. Le jour, il y a beaucoup plus de lumière. Ah non, le jour, on les éteint. Eh bien alors, tant pis. Mais ça ne fait rien. Parce qu'au lieu d'apercevoir les lumières du port, on voit une grande montagne avec une vache qui se promène, une très grosse vache. Et petit à petit, la vache broute toute la montagne. C'est stupéfiant. Oh, la nature est pleine de merveilles, Don Dionisio. Tenez, cette chambre... Mais c'est une petite merveille. Non, mais avez-vous vu comme le papier peint est artistique? Et les carpettes? Regardez, moi. Oui, non, pas celle-là, parce qu'à force de marcher dessus, on l'a usée. Mais voyez, sous le lit. Celle-ci est beaucoup mieux conservée. Avez-vous un briquet? Ah non, j'ai une boîte d'allumettes. Et pourquoi faire? Et pour que vous puissiez mieux voir. Allez. Tenez. Voilà. Mettez-vous à genoux. Ah. Oui. Ah, bon. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Ah bah oui, c'est tout à fait exact. Vous avez une très jolie carpette. Par exemple?
Quoi, si vous arrivez. Il me semble que j'aperçois une botte. Une botte, une botte de quoi? Ah, ben ça, c'est une botte, je sais pas de quoi, mais. Oh, c'est sûrement un client qui l'aura oublié. Oh, quelle négligence, ça, ces femmes de chambre, non? Elles ne font pas le ménage comme il faut. Oh, voulez-vous me rendre service dans Dionysio? Je ne peux pas me baisser à cause de mes rhumatismes. Pouvez-vous essayer de l'attraper? Non, Rosario, ça n'est pas la peine, moi, elle ne me dérange pas, cette botte. Je vais tout de suite me coucher et je vous jure que c'est pas ça qui m'empêchera de dormir. Moi, je serais pas tranquille si je savais qu'il y avait une botte sous mon lit. Je vais chercher la femme de chambre. Mais non, attendez, je vais l'attraper moi-même. Allez. Ah, voilà. Oh, c'est une très jolie botte. Puis-je vous l'offrir dans Dionysio? Oh, je n'en ai vraiment pas besoin. Là. Allons, ne soyez pas timide. Tenez, je la mets dans votre poche. Là. Mais qu'est-ce que je vois là, Don Rosario? Un téléphone? Parfaitement, un téléphone. Un de ces téléphones avec lequel on peut appeler les pompiers? Oui. Mais vous jetez l'argent par les fenêtres, Don Rosario. Voilà déjà 7 ans que je viens chez vous et chaque année, je trouve une amélioration. D'abord, vous avez enlevé toutes les mouches de la cuisine et vous les avez fait passer dans la salle à manger. Après quoi, vous les avez chassées de la salle à manger pour les enfermer dans le salon où vous avez pu enfin les exterminer. Vous vous souvenez? Quelle journée mémorable d'ailleurs. Il en restait une toute petite mouche. Elle est morte, la pauvre. L'année suivante, vous avez installé le chauffage central. Après quoi, vous avez supprimé du menu les pâtes de fruits que vous confectionnez, mademoiselle, votre fille. Et maintenant, le téléphone. Le téléphone. D'un petit bistrot de deuxième ordre, vous avez fait un hôtel de classe. De plus, vous êtes devenu le paradis des gastronomes, si. Et tout cela sans augmentation de prix, vous courez à la ruine, Don Rosario. Comme vous me connaissez bien, Don Dionysio, mais je n'y peux rien, je suis comme ça, je n'en fais jamais assez pour mes chers clients. Ah, je trouve au contraire que vous en faites beaucoup trop. Il n'est pas nécessaire, quand il fait froid, de vous mettre au lit avec eux, allons. Une bouillotte est bien suffisante. Quelquefois même... Vous pleurez lorsqu'ils quittent l'hôtel. Et s'il y en a un parmi eux qui est sujet à des insomnies, vous interprétez des romances avec votre cornet à piston jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Vous êtes trop bon, Don Rosario, on abuse de vous. Les pauvres, que voulez-vous? Parce que tous ceux qui descendent chez moi sont des orphelins, des employés, des hommes seuls. Bien, moi je vais être un père pour eux, puisque j'ai pas pu l'être pour mon pauvre petit. Vous savez, celui qui s'est noyé dans le puits. Ne pensez plus à cela, ne pensez plus à cela. Oh, mais c'est vrai que vous la connaissez, l'histoire de mon pauvre petit qui s'est noyé. Mais oui, Don Rosario, vous l'avez déjà raconté 100 fois. Votre enfant s'est penché sur la margelle pour attraper une grenouille, et il est tombé, et il l'a fait plouf, et tout a été fini. C'est ça, il est tombé, il a fait plouf, et tout a été fini. Bon. Vous allez vous coucher? Oui, Don Rosario. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Ah, bien sûr, j'aime tous mes clients. Mais c'est vous que je préfère. Vous m'avez été tellement sympathique depuis le jour où vous avez commencé à venir chez moi. Oh. Mais dites donc, mais ça va faire bientôt 7 ans. Eh oui, Don Rosario, 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et depuis 7 ans, mon unique plaisir a été de venir chez vous passer un mois par an pour voir ma fiancée. Prendre des bains de mer, acheter des cacahuètes, tourner le dimanche autour du kiosque à musique et siffler en me promenant dans la grande rue des refrains à la mode. Oui, mais demain, une vie nouvelle commence. Ah oui. À partir de demain, le ciel sera toujours bleu pour moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez... Vous pleurez? Mais Don Rosario... Pensez que vos chers parents, Dieu leur âme, oui. Vos chers parents ne sont pas près de vous un jour pareil, ils seraient si heureux. Mais oui, ils seraient si heureux. Mais au diable la tristesse, Don Rosario, demain, je me marie. C'est la dernière nuit que je passe seul dans une chambre d'hôtel. Ah, fini. Les chambres glaciales, les pensions de famille, la goutte d'eau qui tombe du robinet, le petit quart de vin, le rond de serviette avec l'initiale du client marqué au crayon, c'est fini tout ça. Fini les croquettes de volaille et fini l'éternel panorama de l'éternel balcon. Demain, je me marie. Le passé est mort et c'est elle qui commence. Elle. Vous l'aimez beaucoup. Je l'adore, Don Rosario, je l'adore. Oh. C'est ma première fiancée et aussi la dernière. C'est une sainte. Mais vous avez passé toute la journée chez elle, hein? Oui, je suis arrivé ce matin. J'ai fait porter mes bagages ici. J'ai déjeuné et dîné chez elle. Ses parents m'aiment beaucoup, vous savez, ils sont si gentils. Oh, ce sont des gens très bien et votre fiancée est vertueuse. Et bien que d'une famille très riche, elle n'est pas fière du tout. Parce qu'elle a du bien, hein? Oui, c'est vrai. Elle a une très jolie dot, mais en plus, elle sait faire de ravissantes broderies et des tartes aux pommes délicieuses. Dis, c'est un ange. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Ah, ça, c'est un chapeau claque pour la noce. Attendez.
voilà. Celui-ci, c'est mon beau-père qui me l'a donné aujourd'hui. C'est le sien, du temps qu'il était maire. Et là, j'en ai deux autres que je me suis acheté. Regardez-les, ils sont très jolis. Hein. Et surtout, on voit tout de suite que ce sont de vrais chapeaux claques. Mais aucun ne me va très bien. Mais non, tenez. Celui-ci est trop petit. Oui. Celui-là me fait une tête énorme. Et avec celui-là, ma fiancée m'a dit que j'avais l'air d'un tuyau de poêle. Non. Ah oui, si, à cause de ça, nous nous sommes même quittés plutôt fraîchement ce matin. Tenez, je vais voir si elle m'en veut encore. Le téléphone fonctionne. Ah, je pense bien, oui. Sa mauvaise humeur sera peut-être finie et ça lui fera certainement plaisir que je l'appelle. Alors, vous avez le standard, on va vous donner une ligne. Allô. Allô, pouvez-vous me donner une ligne, s'il vous plaît? Merci. Mais il est tard, ils vont peut-être être couchés. Oh, je ne pense pas, il n'est pas encore 11 heures. Et puis, de toute façon, elle dort toujours près du téléphone. Ah, ça y est. C'est ça. Alors, coucou, c'est moi, votre petit Dionysio. Bonjour. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir appeler Mademoiselle Marguerite, s'il vous plaît? Merci. C'était la femme de chambre. Ah, elle vient, elle vient. Mon petit loulou, c'est moi, oui. Oui, je t'appelle de l'hôtel. Oui, j'ai le téléphone dans ma chambre. Oui. Oui, mon petit chaperon rouge. Non, 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 rien. Non, 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 non. Quoi. Juste pour que tu vois que je pense à toi, quoi. Oui, écoute. Je ne vais pas mettre le chapeau qui me donne l'air d'un tuyau de poêle. Non, c'était une blague. Mais je ne fais que ce que tu veux. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Don Rosario, il y a des puces dans cette chambre. Oui, mon amour. C'est pas possible. Ah, si. Oui, mon amour. Quand votre père est mort, il ne vous a rien dit au sujet des puces qu'il vous laissait, non? Oui, mon amour. Je crois bien qu'il m'a dit qu'il y en avait une. Elle est en train de me dévorer le dos. Hein. Oui, mon amour. Écoutez, rendez-moi un petit service. Oui. Voulez-vous me gratter, là? Oui. Oui, mon amour. Mais non, plus haut, voyons. Plus haut. Mais non. Tenez-moi ça. Vous n'y connaissez. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Moi aussi. Je dormirai avec ta photo sous mon oreiller, oui. Si tu te réveilles, appelle-moi, hein. C'est ça. Adieu, petit loup. C'est un ange. Si vous voulez, je dirai en bas qu'on laisse la ligne branchée, comme ça vous pourrez parler quand vous voudrez. C'est ça, Don Rosario. Merci beaucoup. Peut-être me réveillera-t-elle plus tard. À quelle heure est la noce? À 8 heures, mais on viendra certainement me chercher avant. Oh. Qu'on me réveille à 7 heures pour que j'aie le temps, parce que je serai en jaquette ici. Très, très difficile à porter. Et puis alors, en plus, ces trois chapeaux claquent. Me permettez-vous de vous embrasser? C'est le baiser que vous aurez donné votre père un jour pareil. C'est le baiser que je ne pourrai jamais donner à mon pauvre petit. Vous savez, celui qui s'est noyé dans le puits. Allons, allons, dans vos argots, allons. Voulez-vous manger un peu de mortadelle? Ah non, ça, vraiment, merci. Non. Et désirez-vous que je vous monte un verre de lait? Non, merci beaucoup, Don Rosario. Non plus? Non. Vous serait-il agréable que je reste avec vous jusqu'à ce que vous vous endormiez? Ou quand vous vous énerveriez? Non, je vais chercher mon cornet à piston et je vous joue la sérénade de Toselli. Et vous? Vous dormez. Vous faites des rêves. Mais non, Don Rosario, merci. Merci beaucoup. Non. Demain matin, je me lèverai de bonne heure pour vous apporter mes vœux. D'ailleurs, tout le monde se lèvera de bonne heure dans l'hôtel. Ah non. Ne dites ça surtout à personne que je vais me marier. Ça m'intimide. Ah bon, ben alors si vous ne voulez pas, nous ne viendrons pas vous dire au revoir avant votre départ. Oh, c'est dommage, hein, ça aurait été bien beau. Pensez qu'à partir de demain, vous devez rendre heureuse une charmante jeune fille. Et ça doit être votre unique préoccupation. Voilà, c'est ça. Au revoir. Et dire que pendant 7 ans, c'est à elle seule que j'ai pensé, nuit et jour, à chaque heure, à chaque minute. À chaque seconde. À
qui d'autre aurais-je bien pu penser, d'ailleurs? À demain, don Rosario, à demain. À demain, cher client et ami. Ah. 11h15, il me reste à peine 9h. Nous aurions dû nous marier cet après-midi et ne pas être séparés ce soir. C'est une nuit de trop. C'est une nuit vide. Ma chérie, ma chère Marguerite, ma petite Marguerite. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Mais ils sont fous quand même. Il manquait plus que ça. Est-ce que c'est une heure pour discuter? Ah oui, c'est vrai. Marguerite avait raison, j'ai une tête de tuyau de poêle. Est-ce que nos cris vous ont dérangé? C'est-à-dire que... C'est un grossier personnage. Ah. Voilà, ma chérie. Oh. Non, il est très laid et très bête. Je ne l'aime pas. Je m'amuse à le faire enrager. Et je n'ai pas du tout l'intention de l'ouvrir. Il va bien s'embêter là tout seul. Tu vois, tu t'ennuies là tout seul. Oh. Non. Maintenant que je réfléchis, il est évident que j'ai pris d'assaut votre chambre. Excusez-moi, je m'en vais. Adieu. Adieu, bonsoir. Vous aussi, vous êtes artiste? Je suis très, très artiste, oui. Comme nous? Moi, je suis danseuse. Je travaille avec Bibi Barton. Et je débute demain au Nouveau Musical. Mais peut-être que vous aussi, vous débutez demain. J'ai pas encore vu les programmes. Comment vous appelez-vous? Dionisio Buscarini. Non, je veux dire votre nom de théâtre. Ah, mon nom de théâtre? Comme tout le monde. Comment? Comment? Antonini. Antonini? Oui, Antonini. C'est très facile. Antonini avec deux N. Je me rappelle pas avoir déjà entendu votre nom. Vous êtes jongleur? Ouh! Non. Vous répétiez peut-être? Oui, je répétais. Vous le faites seul, votre numéro? Ah oui, bien sûr, je le fais tout seul. Mes parents sont morts, alors forcément. Oh, vos parents aussi étaient artistes? Ah, oui, évidemment. Mon père était commandant d'infanterie. Ah, il était militaire? Oui, oui. Il était militaire, mais très, très, très peu. Presque pas. Quand il s'embêtait uniquement. Non, ce qu'il aimait surtout, c'était avaler le sabre. Ah oui? Il adorait avaler son sabre. Mais ça, évidemment, c'est une chose qui plaît à tous les militaires. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai, ça leur plaît à tous. Alors, vos parents, c'était des artistes de cirque? Oui, tous. Sauf ma grand-mère. Elle était tellement vieille à la fin de sa vie qu'elle ne servait plus. Et elle tombait toujours de son cheval. Et toute la journée, ils discutaient. Qui? Le cheval et la grand-mère? Oui, ils avaient un caractère épouvantable. Mais le cheval était beaucoup plus spirituel. Voilà. Et vous? Oh non, nous sommes cinq. Cinq girls. Nous sommes avec Bibi Barton et avec nous, lui aussi, Madame Olga, la femme à barbe. Son numéro plaît beaucoup. Nous sommes arrivés ce soir et nous débutons. Les autres, après le dîner, sont restés en bas au café. Cette ville est tellement triste. C'est où aller? Mais moi, le coup du bistrot, ça m'ennuie. Je ne suis pas une fille comme les autres. Après le dîner, je suis montée dans ma chambre pour jouer quelques disques sur mon phono. J'adore le phono.
Mon fiancé est arrivé avec une bouteille d'alcool. Il voulait me faire boire parce que lui, il boit tout le temps. C'est pour ça que je me suis fâchée. Et pour autre chose aussi. Vous comprenez? J'aime pas qu'il boive trop. C'est très mauvais pour le foie. Un monsieur que je connaissais bien et qui avait... Non, je n'ouvrirai pas. Maintenant, je vais m'asseoir pour m'embêter. Je ne vous dérange pas, moi. Pas trop. D'ailleurs, maintenant que je sais que vous êtes artiste, ça ne me gêne plus du tout d'être ici. Il doit être pleine de rage. Mais écoutez, je crois que nous devrions lui ouvrir. Non, non, pas question. Bon. Nous sommes toujours en train de nous disputer. Il y a longtemps que vous êtes fiancée? Je sais pas. Deux jours, deux ou trois jours. Il me plaît pas. On s'ennuie tellement dans ces tournées de province. La vérité, c'est qu'il est sympathique. Mais quand il boit, il se fâche. Il devient féroce. Il fait peur à voir. Bon, mais je vais lui ouvrir. Ne bougez pas. Mais c'est qu'après, il va être fou, furieux. Il le sera furieux. Ça me vient égal. Mais si vous le laissez enfermer, votre mère vous grondera. Quelle mère? La vôtre? La mienne? Oui, votre mère, votre père. Je n'ai ni père ni mère. Eh bien, vos frères, alors? Non, je n'ai pas de frères. Mais... avec qui voyagez-vous? Vous êtes seule avec votre fiancé et les autres artistes? Ah oui. Évidemment, je suis seule. Je ne suis pas capable de me débrouiller. Oh si, bien sûr. Et puis même, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Écoute, Paula, si tu ouvres pas... Je vais le libérer. Il est trop en colère. Faut qu'on le laisse encore enfermer un peu maintenant. Non, 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 non. Je vais lui ouvrir. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir. Ce monsieur est jongleur. Ah. Il est jongleur? Il débute lui aussi demain au nouveau music hall. Son père était à valeur de sabre. Excusez-moi de ne pas vous serrer la main, mais je ne peux pas. Ça? Un collègue? Entre, Paula. Non, je ne rentrerai pas. Tu entres pas, Paula? Je ne rentre pas, bébé. Alors? Je n'entre pas non plus, Paula. Et il y a longtemps que vous êtes noir. Je suis toujours vu comme ça dans la glace. Oh mon Dieu, quel malheur. Et comment cela vous est-il arrivé? Une chute? Quelque chose comme ça. Une chute de bicyclette? Évidemment. Comme quoi on ne doit jamais acheter de bicyclette aux enfants. N'est-ce pas, mademoiselle? Un monsieur que je connaissais bien et qui avait acheté... Cette chambre est mieux que la mienne. Ah oui, c'est la plus belle de tout l'hôtel. Si vous voulez, nous pouvons en changer. C'est très facile, vous savez. Vous restez ici et puis moi... Je prends la vôtre. C'est très simple. Je rassemble toutes mes affaires. Non seulement cette chambre est plus vaste, mais elle a une très jolie vue. De cette fenêtre, on voit trois petites lumières sur la mer. Les carpettes aussi sont charmantes. Tenez, ah ben non, pas celle-là parce qu'il y a un petit trou. Mais vous ne voulez pas regarder sous le lit? Non. Mais si, venez, regardez sous le lit. Faites-nous quelques exercices avec vos chapeaux. Ça nous distraira. J'adore les jongleries. Et moi aussi. C'est admirable de lancer les choses en l'air et de les rattraper. On croit toujours qu'elles vont tomber. Eh bien, pas du tout, elles ne tombent jamais. C'est vexant. Allez, jonglez un peu. Moi? Oui, vous. Ah bon? D'accord. Voilà. Oh, que c'est bien. Oh, laissez-moi essayer. C'est difficile. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fait. Et hop. C'est ça, c'est ça. Vous avez appris tout de suite. Oh, dites-moi, vous ne voulez pas essayer, vous? Dites, monsieur. Non. On sonne. Oui, on sonne. Ah, ça doit être une visite. Non, c'est ici. Le téléphone. Le téléphone. Oui.
Ah non, mais c'est étrange, ça doit être un enfant qui tripote un peu le fil en jouant et puis ça sonne. Ah ben, allez voir qui appelle au moins. Non, nous allons faire une bonne blague. Où voulez-vous que j'y aille, moi? Non, 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 ne vous dérangez pas, j'y vais. Je ne vois rien. Eh bien, parlez. Eh bien, ah bah oui, c'est vrai. Non. Ah non. Non, 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 non. 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 Qui est-ce? Oh, rien. Un pauvre. Un pauvre? Oui, il voulait que je lui donne 10 francs, mais je lui ai répondu que non, 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 non. Non, non. Entre, Paula. Pourquoi? Parce que je veux. Et de quel droit? Parce que j'en ai assez et que ça ne peut pas continuer comme ça. Non, ça c'est vrai. Je ne tolérerai plus tes grossièretés. Tu es un homme insupportable, comme tous les hommes d'ailleurs. Et je te hais. Tu entends? Je te hais. Je ne peux plus te voir, je ne peux plus te supporter. Et moi je t'adore, Paula. Je t'adore. Mais tu sais bien, je n'aime pas qu'on me fasse marcher. Hein? Mon petit orchidée. Et moi? Oh, est-ce que tu crois que je suis amoureuse de toi? Est-ce que tu crois que je peux m'amouracher de ça? Nous avons été fiancés quelque temps, mais c'est fini. J'ai été ta fiancée par pitié, parce que tu me semblais triste, cafardeux. Parce que tu me racontais les douces mélodies de la plantation. Parce que tu me disais que quand t'étais petit, les singes te mordaient, les moustiques te dévoraient, que t'étais obligé de grimper dans les paniers des cocotiers. Mais jamais je ne t'ai aimé, jamais je ne t'aimerai. Mais tu dois le comprendre. T'aimer. Oh, toi. À ce moment-là, je peux aimer aussi bien ce monsieur, qui est très beau garçon, qui est bien élevé et qui est blanc. Paula ! N'est-ce pas, monsieur, que personne ne peut s'amouracher de lui ? Ah, si, s'il est honnête et travailleur. Paula, entre dans notre chambre ! Non, je ne rentrerai pas. Tu entends bien ? Je ne rentre pas. Très bien. J'attendais que tu sois fatigué de parler avec ce visage pâle. Je peux vous chanter une petite chanson. Je connais les pêcheurs de perles. Paula ! Paula ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous êtes encore disputés ? Oh, ben, vous êtes gays ! Par contre, nous sommes en train de bien nous amuser. Il y a des messieurs en bas au café qui veulent nous offrir du champagne. Les autres sont restés avec eux et Madame Olga. Et tout à l'heure, ils monteront et nous danseront toute la nuit. Ah, ben, vous parlez pas ? Est-ce que vous pouvez être sinistre? Qui est ce monsieur? Ben, répondez-moi, qui c'est? Ben, je sais pas. Tu sais pas? Ben, dites-lui, vous, qui vous êtes. Je suis Antoninine. Oh, comment allez-vous? Bien, et vous? Il est jongleur et il débute demain au nouveau musical. Oh, très bien. Mais vous, qu'est-ce qui vous arrive? Rien du tout. Allez, dis-moi ce qui se passe. Ce monsieur n'a qu'à te l'expliquer. Vous voulez pas me le dire? Oh, mais je raconte très mal. En fait, ça ne fait rien. Bon. Eh bien, voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ils se sont un peu disputés, mais ce n'est rien. C'est ce monsieur qui est complètement idiot. Non, excusez-moi, il n'est pas idiot, il est noir. Alors, il a son petit caractère, mais ce n'est pas de sa faute. Le pauvre, il a fait une chute de bicyclette quand il était enfant. Remarquez, c'eût été pire s'il était resté... manchot. Alors, la demoiselle le lui a dit, et il s'est mis dans un de ses états. Et puis quoi encore? Et puis c'est fini. Total, c'est toujours pareil. T'es une sotte. Eh bien, si je suis sotte, tant mieux. Tout ça, c'est de ta faute, Bubi. T'es grossier. Eh bien, si je suis grossier, tant mieux. Mais si tout le monde s'en va, je m'en vais aussi. Eh ben, si vous en allez, tant mieux. Vous avez une allumette? Oh oui, bien sûr. Ben, donnez-la moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est... attendez, je vais vous montrer. On gratte avec ça. Tenez, voilà, c'est très pratique. Et c'est tellement plus sûr qu'un briquet. Non. Asseyez-vous. Je vous remercie.
Vous savez aussi jeter la fumée par le nez? Mais quel as vous êtes, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de mes deux copains? Ils sont très beaux. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Elle ne l'aime pas, mais lui, il l'aime, à sa manière, bien sûr. Et ces gens-là aiment d'une manière très passionnée. Seulement, avec Bubi, on ne peut pas s'amuser parce que quand il a bu, il devient méchant. Paula a eu tort de s'embarquer dans cette histoire. Oh, le joli mouchoir. Oh, vous me le donnez, n'est-ce pas? Et pourquoi vous êtes enrhumé? Oh non, mais il me plaît. Paula n'est pas du tout comme moi. Moi, je suis beaucoup plus amusante. Quand un homme me plaît, je lui dis. Et quand il me plaît plus, je lui dis aussi. Oh, quel culot j'ai. J'ai un culot de tous les diables. J'ai toujours été comme ça. Mais tu as très jolis yeux. Où ça? Bon, sur ton visage, mon petit mignon. Ah, si vous me poussez encore une fois, merde alors. Je vous donnerai une bonne gifle, merde alors, dont vous vous souviendrez, merde alors. Oh là là, quel caractère. Vous débutez avec nous demain? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Rien? Bon, je fais très peu de choses. Bon. Évidemment, puisque je débute, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous faites bien quelque chose. Dites-moi quoi. Ouf, c'est d'une bêtise, vous allez voir. Hein. Voilà. Bon, alors, oui. Au commencement, il y a une petite musique, un peu comme ça. Ta-ta-ra-ra-pa-ra-ta-ra. Voilà, c'est ça. Et puis, alors, moi, j'entre, et la musique se tait, il n'y a plus du tout de ta-ta-ra-ra-ra-ra. Et alors, je fais... Hop, je refais, hop, je fais, hop, 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 voilà, et puis c'est fini. C'est excellent tout ça. Non, ça ne vaut rien, vous savez. Et il plaît votre numéro? Ben ça, je n'en sais rien. Ben on applaudit? Oh, très, très, très peu, presque pas, tout est si cher. Ça, c'est vrai. Le téléphone? Ah oui, c'est d'un pauvre. Un pauvre? Oui, oui. Il s'appelle comment? Ah, il s'appelle pas... Les pauvres, ils n'ont pas de nom, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je lui donne un morceau de pain, mais comme je n'en ai pas, je ne lui en donne pas. Vous avez du pain, vous? Je vais regarder. Aujourd'hui, j'en ai pas. Mais qu'il aille au diable, alors! Vous voulez pas que je lui parle et que je lui dise que Dieu le protège? Non, je vais le faire. Dieu vous protège! Mais il aura entendu? La preuve? Fanny! Fanny, nous voilà! Avec des gâteaux et des jambons! Et du pain! Et même une tarte aux pommes! Il y a des gars qui nous ont invités! Ils ont commandé des dîners! Et du champagne! Oh, aussi qu'on mettra des dîners! Moi, mon cavalier, il sait pas danser. Il dit pas un mot, mais il me fait une de ses cours. Le mien, c'est un costaud! Et puis là, des lapins papa! Oh, on va rigoler! Non, tu vas faire ça! Youpi! Oh, regardez ce chapeau! Il s'en passe, monsieur, c'est le jongleur à Paula. On peut jouer avec? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est vous? Oui! Un instant! Rentrez! Oh, vous ne dormez pas encore! Hein. J'étais sûr que vos voisins vous dérangeaient! Ils font du scandale, ils mettent tous en dessous! Ah non, je n'ai rien entendu, tout est extrêmement calme. Eh bien, moi d'en bas, j'entends leurs cris! Hein. Non, vous avez besoin de dormir, demain vous vous mariez, vous devez rendre heureuse une jolie jeune fille. Je vais vous jouer un peu de cornet à piston et vous allez vous endormir tout de suite. Sérénade de Toselli. Thank you.
c'est le pauvre. Quel casse-pied. Lui, très casse-pied. Bonsoir. Que vous êtes un artiste. J'en suis ravie. Merci. À tout de suite. Bonsoir. Il s'est endormi. C'est un ange. Il va rêver d'elle. Je vais éteindre la lumière. Comme il dort calmement. Marguerite. Vous ne venez pas? Non. Venez. Nous vous invitons. Ça vous desserra? Non, je vous remercie, mais j'ai un peu sommeil. Oh, de toute façon, nous ne vous laisserons pas dormir. Je suis fatigué. Venez. C'est moi qui vous le demande. Oh, soyez gentil, Bubuela, elle m'embête. Si vous venez, ce sera différent. Je suis si contente de vous connaître. Ravie même. Vous voulez bien? J'ai encore trouvé 5 minutes de liberté pour les manger. Mais quelle est la fin? On les chasse ou on les pêche? Ça dépend de ce que vous avez vu, mademoiselle. Ils ne vous aident pas pour danser? Oh, affreusement, mademoiselle. Oh, si vous le permettez, je vais me débarrasser dans la faim, mademoiselle. Je vous assure, mademoiselle, que je n'oublierai jamais cette merveilleuse nuit. Vous ne dites rien? Je vous ai déjà dit ce que je voulais. C'est que vous me fassiez cadeau d'une petite médaille. Mais ce sont mes décorations, mademoiselle. Je ne peux pas les donner. Oh, pourquoi vous en faut-il tellement? C'est mon gagne-pain, voyons. Moi, je veux que vous m'en donniez une toute petite. C'est impossible, mademoiselle. Je ne vois pas d'inconvénient à vous offrir un chapeau ou une suspension pour votre salle à manger. Mais une médaille, je ne peux pas. Oh, allez, ne soyez pas d'avare. Vous avez une tête de milliardaire. Vous m'affolez, ma toute belle. Moi, je suis une grande artiste. Je me suis exhibée dans tous les cirques du monde avec le vieil ours, la chèvre triste, les enfants des ossés, Great Attraction. Je suis une grande artiste. Oui, monsieur, mais pourquoi ne rasez-vous pas cette barbe? Mon mari, monsieur Durand, n'y aurait jamais consenti. C'était un homme très bon, mais il avait les idées très démodées. Il n'a jamais pu supporter ces femmes qui s'épilent les sourcils, la moustache. Il disait toujours, ces femmes qui se rasent, on dira des hommes. Oui, monsieur, mais au moins, vous pourriez l'oxygéner. Parlez-moi d'une femme avec une belle barbe blonde. Mon mari, M. Durand, n'y aurait jamais consenti non plus. Non, lui, il aimait les femmes avec une barbe noire. Type espagnol, quoi. Andalouche, gitane, en lait. Donne-moi à boire. Et votre mari, il était artiste, lui aussi? Ah oui, mais lui, il avait beaucoup de chance. Il avait une tête de vache et une queue de crocodile. Alors, il a gagné une fortune. Alors, vous me donnez à boire. Mais il n'y en a plus. Oh, allons-y pour une autre bouteille. Prenez mon bras, ravissante créature. Je voudrais bien savoir, mademoiselle, pourquoi je suis ivre. Mais vous n'êtes pas ivre, Toninini. Pourquoi vous m'appelez Toninini? Nous avons décidé que je vous appellerai Toninini. Oh, c'est un nom très amusant, n'est-ce pas? Dans l'état où nous sommes, il est amusant.
Vous êtes un garçon extraordinaire. Je n'osais pas vous l'avouer, mademoiselle, mais vous aussi, vous êtes extraordinaire. Vous dites des choses tellement étonnantes. Vous n'êtes pas fatigué? Qui, moi? Vous permettez que je danse un peu avec mademoiselle? Quelle horreur. Mais voyons, mademoiselle, je suis l'homme le plus riche de la province. Mes terres sont couvertes de blé. Non, non. Non, non. Vous me permettez, mademoiselle, que je me débarrasse encore d'un lapin? Naturellement, cher ami. Oh, merci beaucoup, mademoiselle. Je suis complètement saoul. Je ne veux plus boire. J'ai un orchestre dans la tête et toute la chambre danse le Charleston. Mais je suis content. Je suis le cheval blanc du grand cirque Barnum. Mais demain? Demain? Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à faire demain, toi? Moi, oui. J'ai une fête. Une grande fête. Avec de la musique, des fleurs, des petites filles habillées de blanc et des vieilles habillées de noir. Très sobre. Et puis après? 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 Après, un train, et un baiser, et une larme de bonheur, et un foyer, et puis après, un chien, et un enfant, et puis un autre chien, puis un autre enfant, puis des millions de chiens, et des millions d'enfants. Je ne veux absolument plus me saouler. Je l'adore. Pouvez-vous me faire le plaisir de sortir d'ici immédiatement? Allez! Et je voudrais bien savoir pourquoi il y a tout ce monde dans ma chambre! Je veux qu'on me dise pourquoi ce type est couché sur mon lit! Je ne sais pas comment il est entré ici! Et pourquoi il y avait une femme à barbe! Dionysio? Dionysio, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de parler avec cet ami. Je ne suis ni Toninini, ni pape. Je ne vous connais pas. Je ne connais personne. Adieu. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que c'est? Mettez-moi un euro de Mario. Chut, non, 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 non. Oui, une seconde. Voilà, voilà, voilà. Vite, tu te caches en dessous. Voilà. Voilà. Il avait semblé entendre un peu de bruit, alors je venais voir si vous pouviez dormir tranquille. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps? Pourquoi me réveiller? Pourquoi me réveiller? Vous êtes toujours à plaisanter, même quand on vous réveille. Oh non, Rosario, je ne plaisante pas et je vous jure que je n'en ai pas la moindre envie. Bon, ne vous fâchez pas, vous pourriez réveiller vos voisins. Vous savez que mon hôtel est un hôtel calme et de bon aloi, j'y tiens beaucoup. Sacrée mère de Dieu, de bon Dieu, fichez-moi la paix! Calmez-vous. Tout en quelques heures, à l'église, vous pourrez prier tant que vous voudrez. Mais je ne prie pas, Rosario, je jure! Mais il ne faut pas jurer non plus, sinon fidélité à votre femme. Bon, maintenant couchez-vous. Non, je craignais que vos voisins ne vous aient invité à boire tout ce champagne qu'ils ont commandé en bas, et je vous apportais un peu d'eau fraîche et une aspirine. Non, je vous remercie, je ne bois jamais de champagne ni d'aspirine. Vous avez raison, mon fils, on ne doit pas s'habituer aux remèdes. Mais goûtez mon eau, elle est parfaite. Ma femme vient d'aller la tirer au puits. Oui, c'est un puits très ancien qui donne très peu d'eau, mais quand par hasard on en tire quelques gouttes, elles sont d'une pureté inoubliable. Rosario, vous êtes un poète. Donnez-moi mon aspirine pendant que je suis... Oh, par exemple, je l'ai perdue. Hein? Oh, ben, elle a dû tomber. Sous le lit, peut-être? Non. Oh, c'est une aspirine très blanche, elle sera facile à trouver. Non, ne vous penchez pas, Rosario. Vous pas d'efforts inutiles. Mais vous n'êtes plus tout jeune, vous savez. Venez, nous allons descendre ensemble.
chercher un autre cachet. Non, mais vous manquez de confiance en moi, Don Dionisio. Je vous assure que ma carpette est très propre. Vous pourriez prendre ce comprimé sans craindre les microbes. Non, Dario, ne faites pas tant d'histoires pour une ascurine. Je vais finir par vous prendre pour un vieil avare. Non, mais c'est pas tant pour l'ascurine. Vous voyez, ça me fait mal le cœur. Ça me fait mal le cœur. Ah non, vous ne vivez pas ça. Dionisio ! Tu es folle. Tu penses que je suis raisonnable, au contraire. Tu n'aurais pas l'intention de devenir honnête par hasard ? Si, justement. Et c'est ce que tu appelles raisonnable, à notre époque. Tu vois bien que tu es folle. Ou amoureuse ? Non, bébé, pas encore. Mais lui, c'est un copain. Un jongleur. Et alors, je le sais. Mais les copains aussi ont quelquefois de l'argent. Allez, cherche. Il nous faut de l'argent tout de suite, sinon tout est perdu. Bibi, ça n'est pas bien ce que nous faisons. Oui, tu as raison. C'est ignoble. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je ne danse pas très bien et... Et toi, tu danses vraiment très mal. Note que... C'est difficile de danser. Ça esquinte les pieds et ça fatigue le cœur. Pourtant, il faut bien l'idéal dans la vie. Et le théâtre, c'est agréable, tu es bien d'accord? On voyage, on se déguise, on rencontre des gens charmants que... comme ce jongleur qui, dans le fond, est très sympathique. Tu ne trouves rien? Si! Elle a souri. Quel digne. Tomber sur un malheureux jongleur qui n'a pas un radis. Je ne sais pas pourquoi, mais rien ne marche plus comme avant. Tu te souviens? Quand tu entrais dans la chambre d'un blanc, il était si content de te voir qu'il te donnait une petite parole de réconfort, un petit baiser de consolation, et quelquefois même un petit billet. Et juste à ce moment-là, Bibi arrivait! Rouge de colère, terrifiant. Le bourgeois n'aime pas le scandale. Et il est si prétentieux qu'il ne s'aperçoit jamais qu'on l'a entouré. Hein? Ils étaient tous bien contents de s'en tirer à si bon compte. Paula et Bubi étaient contents. Tout le monde était content. C'était le bon temps, hein? Oui, Bubi, on s'est bien amusé. Mais tu comprends, avec ton ami, c'est pas possible. Il n'a pas le sou. Mais c'est un copain. Dieu n'est pas méchant, c'est un copain. Maintenant que je vous ai donné cette superbe croix, j'espère que vous me laisserez un petit espoir. Voulez-vous que je vous enlève? Non. Je veux une autre médaille. Mais c'est impossible, mademoiselle. Tâchez de comprendre le sacrifice que j'ai fait déjà en vous offrant celle-ci. J'ai eu beaucoup de peine à la gagner. Je me rappelle qu'un jour, en pleine bataille, sous l'air mitraille, quand déjà l'ennemi... Oh, moi, je veux une autre croix. Allons, mademoiselle, laissons cela et répondez à ma question. Voulez-vous que je vous enlève? Donnez-moi une toute petite. C'est pas de chance de tomber sur un copain, mais... Enfin, Paula, ça peut encore s'arranger. Tous ces bourgeois qui nous régalent, ils ont de l'argent. Regarde Fanny. Elle perd pas le nord avec les breloques. Ce bourgeois qui t'a invité, à qui tu as refusé plusieurs fois. Ah, oh, il est odieux. Et alors? Si tu avais accepté, tu serais pas là à me faire du souci pour l'avenir. C'est cynique, hein, bébé? Ouais. Bibi est cynique. Mais il donne toujours de bons conseils aux filles qui sont avec lui. C'est peut-être parce qu'il te plaît, Tonini. Tu veux pas lui faire le coup? Je sais pas. C'est dommage que tu te toques de lui. Fille comme toi... Ne doivent pas tomber amoureuses de gens fauchés qui font jamais de cadeaux.
On est plein de dettes, on a besoin d'argent. Et ce type est l'homme le plus riche de tout le pays. Mais cette nuit, j'ai pas envie de faire de charme. J'ai envie qu'il me fiche la paix. Quelquefois, il y a des choses qui vous amusent et d'autres fois pas. Si tu ne veux pas, ça finira mal. Faudra que tu nous quittes. Ballette Bibi Barton finira au fond d'une province. Oh non. Je parle pas pour moi. Je vis n'importe comment. Mais toi... Toi, tu sais ce qui t'attend? Les petites robes bon marché, les chapeaux démodés. Ah, à moins que tu n'espères rencontrer un beau garçon qui deviendra ton fiancé et que tu épouseras en robe blanche. Mais je sais pas, bébé, ça m'est égal. Oh, jamais pensé à ça. Ma petite Paula. Les hommes vous aiment, mais ils épousent toujours les autres. En parlant du monsieur en question, le voici. Un petit effort. Ah, il fait trop chaud dans la chambre à côté. Ils ont tellement bu qu'il n'y a pas de conversation possible. Ici, l'air est plus pur. Il est tellement léger que parfois les papillons se posent sur les fleurs des hideaux. Finalement, débutez demain. Oui, nous débutons demain. J'irai vous voir. Ça me distraira un peu. J'ai une loge toute l'année. J'aurai un abonnement au music hall parce que j'aime bien voir toutes les petites danseuses qui passent ici. Je suis l'homme le plus riche du pays. Ça doit être très agréable d'être riche, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est très agréable. On a des propriétés avec des étangs remplis de poissons. On mange bien, des poulets surtout, de la langouste. On boit de bon vin. Mes terres sont couvertes de blé. Pourquoi avez-vous tant de blé sur vos terres? Il faut bien avoir quelque chose sur ces terres, mademoiselle, elles sont là pour ça. D'habitude, on y a du blé parce qu'il serait difficile de l'avoir chez soi. Évidemment. Et comme vous êtes tellement riche, les femmes vous adorent. Oui. Oui, je leur plais toujours. Toutes les petites danseuses qui ont passé au music hall m'ont aimé. Je suis l'homme le plus riche du pays, c'est naturel qu'elles m'aiment. Bien sûr! Les jeunes filles aiment les gens bien élevés. Elles sont si tristes. Elles ont besoin de la gentillesse d'un homme comme vous. Regardez Paula, par exemple. La ravissante Paula s'ennuie ce soir. Personne ne lui fait la cour. Personne ne lui dit des choses agréables, des mots tendres. Non. Toujours avec des bohèmes comme nous, toujours sur les routes, dans les trains, toujours dans les tunnels. Mais c'est à force de passer dans les tunnels que vous êtes devenu noir. Oh, le joli papillon, qu'il a de belles couleurs. Je ne vais pas le laisser échapper. Je vais fermer la porte. Pardonnez-moi, monsieur. De quelle couleur sont vos jarretières, mademoiselle? Bleu. Bleu clair ou bleu foncé? Bleu marine. Permettez-moi de vous offrir une paire de bleus clairs. Le caoutchouc est de très bonne qualité. Merci. C'est vraiment trop gentil. De rien. J'en ai d'autres chez moi. Alors, toute l'année, vous vivez dans cette petite ville? Oui, oui, mais tous les ans, je vais sur la côte. Et vous emportez votre blé ou vous le laissez là? Non, 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 le blé, je le laisse à la campagne. Je paie des hommes pour qu'ils me le gardent. Et je vais tranquillement au bas de mer, en wagon-lit, évidemment. Vous n'avez pas d'auto? Oh, si, si, j'en ai trois. Oh. Je n'aime pas les automobiles pour les longs voyages. Ces roues qui tournent sans arrêt,
C'est d'un monotone. Quelle pointure de bas avez-vous? Du 3. Pure soie. Tirez dessus. Oh non, ce n'est pas la peine. Non, mais c'est pour que vous vous rendiez compte. Ah! Oh, quel dommage. Non, mais ce n'est pas grave. J'en ai une autre paire. Oh, merci beaucoup. Alors, tous les ans, vous partez en vacances? Tous les ans, mademoiselle. J'ai une très belle propriété, je m'y plais beaucoup. Je regarde traire mes vaches. J'en ai 100. Et vous aimez les vaches? Je préfère les éléphants. Eh bien, dans ma propriété des Indes, j'en ai un troupeau. D'ailleurs, il y a quelques mois, je leur ai fait installer le chauffage au mazout. Je dépensais un argent fou. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai oublié de vous offrir un bouquet de fleurs. Merci beaucoup. De rien. Elle s'entend plus. Vous êtes mariée? Oui, évidemment. Tous les hommes riches sont mariés. Tenez, justement, demain matin, je dois assister à une noce. C'est la fille d'un de mes amis qui se marie. Je ne peux pas faire moins que d'y aller. Un mariage d'amour? Oui. Oui, je crois qu'ils sont tous les deux très épris. J'irai au mariage et ensuite je pars en week-end. J'aimerais bien aller. La résidence est magnifique. Il y a une très grande piscine. J'y prends 5 ou 6 bains par jour. Et vous-même, vous baignez fréquemment, mademoiselle? Oui. Oh, enfin... Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous mettez dans l'eau de votre bain? Un parfum merveilleux qui s'appelle « Tant pis si j'en meurs ». Moi, j'y mets des phoques. Tellement l'habitude de me baigner en Norvège que je ne peux pas m'accoutumer à rester dans l'eau si je n'ai pas une bonne paire de phoques à côté de moi. Un bonbon. Gardez tout. Voulez-vous manger quelque chose? Non, non, merci, je n'ai pas faim. Préférez-vous celui-ci au caviar? Non, non, vraiment, je ne veux rien. C'est dommage. Et maintenant, mademoiselle, me permettez-vous de vous embrasser? Après cette conversation tellement agréable, je crois que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ne crois pas. Pas encore. Avec votre permission, je vais prendre la liberté de vous donner ceci. Ça n'a pas de valeur, mais c'est très amusant. Merci. Merci. Alors maintenant, je peux vous embrasser? Non. Je suis navré, mademoiselle, mais je n'ai plus de cadeaux dans mes poches. Mais si vous voulez, je peux aller en chercher chez moi. Oh, laissez, ça ne fait rien. Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous êtes triste. C'est vrai, je suis triste. Je suis horriblement triste. Oh, mais ai-je par hasard commis une incorrection, mademoiselle? Non. Oh, non, je suis triste parce qu'il m'arrive une chose terrible. Oh, monsieur, si vous saviez comme je suis malheureuse. Oh, mais tout peut s'arranger, voyons. Mais racontez-moi ça. Oh. Figurez-vous que nous sommes arrivés ce soir et j'avais dans mon portefeuille toutes mes économies. Mm-hmm. Quelques billets. Et ça a dû se passer dans le train pendant que je dormais. À mon réveil, mon portefeuille avait disparu. Vous imaginez mon chagrin? J'avais besoin de cet argent pour m'acheter un manteau. Mm-hmm. Oh, monsieur, si vous saviez comme je suis malheureuse. Tiens, tiens. Et on vous dit que vous l'avez perdu dans le train, votre portefeuille. Oui, dans le train. Avez-vous bien regardé dans le compartiment? Oui, et dans les couloirs. Mm-hmm. Avez-vous regardé dans le fourgon? Le fourgon aussi. Ah. Et combien aviez-vous d'argent? 4 billets. 4 petits billets. Petits? Enfin, moyens. Voyons, 4 billets. Oh, monsieur, si vous saviez comme je suis triste. Voyons, vous dites qu'il y avait bien 4 billets. Oui, monsieur, 4. Vous savez, je vais tous les ans sur la côte. Je connais la vie, mademoiselle. Évidemment, si vous vouliez être compréhensive... Bien que je vous ai fait déjà beaucoup de cadeaux. Hein? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais vous me parlez d'une façon. Pour qui? Ce petit billet. Oh, je vous en prie, monsieur. C'est encore possible que je retrouve mon portefeuille. Eh bien, si vous le trouvez.
Vous me rembourserez. Ah. Voilà, maintenant, me permettez-vous de vous donner un tout petit baiser. Oh, monsieur, que je suis triste. Ce n'est pas un billet, mais quatre que j'ai perdu. Alors, alors. Pour qui encore ces petits billets, hein? Vous êtes sympathique. Oui. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai fermé la porte. Mais pourquoi faire? Mais pour que personne ne puisse entrer. Pas même les papillons. Que tu es mignonne. Mais ouvrez la porte tout de suite! Nous l'ouvrirons plus tard, on a le temps. Mais laissez-moi tranquille, mais allez-vous-en! Mais j'en vais pour mon argent, moi, ma petite. Mais je vous ai demandé tout ce que vous avez donné. Oui. Oh, fichez gauche, tu es! J'ai donné 4 billets, faut être gentil avec moi, hein? Ah, t'es trop jolie pour que je te laisse. Mais laissez-moi tranquille! Bébé! Bébé! Rendez-moi cet argent! Vite! Rendez-moi cet argent, bande de trépouilles! Donnez-moi la bonne fruit! Rendez-moi les pains! Mettez-moi la bonne pain! Rendez-moi les fleurs! Rendez-moi la Vous êtes des escrocs pour qui me prenez-vous? Vous vous êtes mis à deux pour m'entoler, hein, me faire ça à moi. Crapule, canaille! Messieurs, messieurs! Respectez le sommeil de vos voisins, que diable! On vous entend depuis la salle de restaurant. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les trois dans la chambre de monsieur Dionisio? Oh, quel désordre! J'avais moi-même rangé les affaires de mon client et ami qui bavarde présentement avec mon épouse au rez-de-chaussée. Mon Dieu, il est tellement méticuleux, quand il va voir ça, il va en tomber malade. Mais c'est moi qui vais tomber malade, Rosario. Vous me connaissez, je suis aussi riche que respectable et même d'habitude respecté. Eh bien, ces deux individus, plus que louches, que je m'étonne de trouver dans un établissement comme le vôtre, ont essayé de me voler, de me piller, de m'assassiner. Non, 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 vous exagérez sûrement. Mademoiselle est un ange. Et ce n'est pas parce que monsieur a le visage un peu sombre qu'il faut lui prêter de noirs sentiments. Oh, ça c'est trop fort. Vous doutez de ma parole. Moi, l'homme le plus important de la ville. Non, 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 mais bien sûr, vous êtes mon meilleur client. Mais vous n'êtes pas artiste, seigneur Dondon. Vous n'avez jamais voulu contempler la vue admirable qu'on a de ma fenêtre, hein? Vous n'appréciez pas mes carpettes, ni mon eau fraîche, ni mon cornet à piston. Tandis que, monsieur, monsieur joue très gentiment du banjo, et peut-être même du ukulélé, et de la guitare. Vous avez raison, Don Rosario. Je joue presque tous les instruments. Eh, vous voyez, j'en étais sûr. Et mademoiselle, mademoiselle comment déjà? Paula. Paula. Mademoiselle Paula est exquise et je serais bien heureux de pouvoir l'applaudir demain au théâtre. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Rosario, puisque vous êtes du côté des filous, nous ne nous rendirons jamais ni au théâtre, ni dans votre hôtel, ni au diable. Je ne vous salue pas. Très bien, seigneur Dondon, mes compliments et mes respects à madame, hein, et sans rancune. Hein. Tu as eu des scrupules tout d'un coup. Oui. Il m'avait pris sur ce que je suis pas. C'est un salaud, bébé. Tu aurais sans doute préféré que ce soit le jongleur qui t'embrasse, hein? Mais je ne sais pas. Mais laissez-moi tranquille. Mais va-t'en, Drouz, allez-vous dans tous. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu as tout gâché, tout. Il vaut beaucoup mieux que tu ne continues pas à se penser à ce jongleur, sinon je te tue. Et je le tue aussi, tu as compris? Très bien. J'aime beaucoup les filles qui obéissent à Bibi. Et maintenant, puis-je vous enlever? Partons, nous irons en Amérique et nous serons heureux. Nous aurons une grande ferme et nous cultiverons des volailles. Moi, je veux cette croix. Non, mademoiselle, celle-là, je ne peux pas. Alors, je n'irai pas aux Amériques. Et si je vous la donne, vous y consentirez? Ah, Fanny, je vous ferai un beau petit militaire. Alfred! Vous pleurez?
Mademoiselle. Mais non, je pleure pas. Vous êtes triste parce que je n'étais pas auprès de vous? Vous vous êtes encore disputé. Dionysio. Oui? Venez vous asseoir là. Près de moi. Il faut que nous devenions bons amis. Si vous saviez comme je suis contente de vous connaître. Vous n'êtes pas comme les autres. Quelquefois avec les autres j'ai peur. Avec vous pas. Les gens sont méchants. Les camarades en tournée ne sont pas ce qu'ils devraient être. Les autres hommes non plus d'ailleurs. Cependant, il est nécessaire de vivre en société, sinon... Sinon on ne pourrait jamais boire de champagne, ni porter de beaux bijoux. Il est nécessaire de s'amuser. Si vous saviez comme c'est triste d'être seule, je meurs d'ennui dans les chambres d'hôtel. Il faut que nous devenions de bons amis. Voulez-vous que nous nous tutoyions? Oui, mais un petit moment seulement. Oh non, non. Non, pour toujours. C'est beaucoup mieux. L'ennui, c'est que chacun de nous partira de son côté quand nous aurons fini de travailler dans cette ville. C'est idiot de se quitter si vite, non? Comment tu n'as besoin d'une partenaire pour ton numéro? Mais c'est vrai, au fond, comme ça, on resterait toujours ensemble et... J'apprendrai à jongler, à jouer avec les trois chapeaux claques. Oh, elle est cassée. Voilà. Comme ça. Merci. C'est dommage que tu n'aies pas besoin d'une partenaire. Ça ne fait rien. Nous passerons quand même des moments très agréables. Écoute. Demain, nous irons sur la plage. Tous les deux tout seuls. Nous avons toute la journée devant nous. Nous attraperons des crabes. Tu sais comment se mange les pâtes des crabes? Moi, je sais. Je t'apprendrai, nous les mangerons sur le sable. T'aimes jouer avec le sable? Ah, c'est merveilleux. Moi, je sais faire des châteaux avec des ponts-levis. Et l'eau passe en dessous. Et je sais faire des volcans. On met des papiers, on allume et ça fait la fumée. Ah, tu ne sais pas faire de volcans. Si, si, je le sais. Et des châteaux? Oui, et des châteaux. Avec un jardin? Avec un jardin, oui. J'y mets des arbres, une petite fontaine au milieu, et puis un escalier avec des marches qui montent à la tour. Un escalier de sable? Oh, c'est merveilleux. Moi, je sais pas. Moi, si. Je peux faire aussi un train, un petit bateau, et même un personnage, et même un lion. Comme c'est bien. Tu vois? Tu vois, Dionysio, que j'avais raison. Mais les autres savent pas. Ils savent pas faire des volcans en sable, même pas Bubé. Les autres savent pas jouer. J'étais sûre que t'étais différent. Dis, on ira demain. Demain? Oui, demain. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Faut que tu répètes ton numéro. Non. Mais alors, qu'est-ce que tu as à faire? Oh, des tas de choses. Et pas, tu les feras un autre jour? Non, c'est absolument impossible. Il y a beaucoup de jours. C'est un rendez-vous important? Oui. Une question d'argent, peut-être? Oui. Oui, c'est une question d'argent. Tu n'es pas fiancé par hasard? Oh, moi, non. Absolument pas. Tu ne dois pas le faire. Mais c'est beaucoup mieux que tu aies une amie comme moi. Est-ce que j'ai envie d'avoir un fiancé, moi? Non. Parce que je ne veux pas me marier. Oh, c'est ridicule, un mariage. On est tellement, tellement guindés, tellement idiots. Tu songes quelquefois à te marier? Oh, comme ça. Tu ne dois pas le faire. C'est beaucoup mieux. Si tu te maries, tu seras malheureux. Et puis, tu ne pourras plus m'avoir comme ami. Écoute, demain nous irons sur la plage et après-demain nous vivrons de bonheur. Nous irons sur le port et nous louerons une barque.
Nous irons nager très loin de la plage. Là où on n'a pas pied. Tu sais nager? Oui, je nage très bien. Oh, moins bien que moi. J'ai beaucoup d'entraînement, tu verras. Écoutez-moi, je sais faire la planche et je nage en dessous de l'eau. Moi, je sais plonger du haut du tremplin, je sais faire le saut de carpe, le saut de l'ange. Écoutez-moi, je peux attraper une pièce de 10 francs au fond de la mer avec mes dents. Comme c'est bien. Quel beau jour ce sera demain. Et après-demain. Oh, tu verras, Dionysio, nous nous ferons griller au soleil. Oula, tu viens? On va sur le port voir le jour se lever. Le port est tout prêt, c'est presque l'aube. On emporte les bouteilles qui restent et on les boira là-bas, avec les pêcheurs qui partent en mer. Ce sera formidable, on va tous voir le jour se lever. Youpi! On y va, Dionysio? Mais quelle heure est-il? Bah, il doit être près de 6 heures. 6 heures? Mais oui, le jour va bientôt se lever. Ah non, ce n'est pas possible. Mais il est 6 heures, il est près de 6 heures? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Allez, viens avec les autres. Non, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que je suis malade, j'ai la migraine, puis j'ai trop bu. Puis tout ça est absurde. Il est presque 6 heures. Je ne veux pas faire ça. Je veux être seule. Je veux qu'on me laisse seule. Viens. Je veux que tu viennes. Sinon, je reste ici. Je ne peux plus me séparer de toi. Tu es un garçon extraordinaire. Tu me plais tellement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce n'est pas possible! Oh, le téléphone. Mais... Allô? Allô? Oui, qui? Oui, c'est moi. Non. Non, il ne se passe rien ici. Non. Tout va bien, oui. Quoi? Ah, tu avais peur? Parce que je ne t'ai pas répondu. Non, mais c'est parce que... Oui, j'ai eu très mal à la tête, oui. Oui, exactement. Alors, je suis sorti pour prendre l'air. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Quoi? Hein? Est-ce que tu dis que ton père arrive? Et pourquoi faire? Mais non, mais il ne se passe rien. C'est stupide que tu l'aies fait venir. Je te dis qu'il n'y a rien. Oui? Qu'est-ce que c'est? Attends. On frappe à la porte. Oui, ça doit être... Oui, c'est ton père, oui. Attends, un instant. Oui. Une minute. Dionysio. Dionysio, ouvrez-moi, c'est moi. C'est moi, Don Sacramento. Don Sacramento. Don Sacramento. Mais monsieur, ma fille est désespérée. Elle vous a téléphoné 100 fois sans que vous répondiez à ses appels. Elle est triste, monsieur, elle sanglote. Elle croyait que vous étiez mort. Pourquoi martyrisez-vous cette petite? J'étais dehors, Don Sacramento. J'ai eu très mal à la tête. Je suis sorti pour reprendre l'air. J'ai arpenté la place en long et en large. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ses appels. Oh, pauvre Marguerite, chérie, ce qu'elle a dû souffrir. Mais oui, monsieur, elle a souffert, et beaucoup même. Et en ce moment, elle pleure, monsieur. Elle se consume. Sa pâleur fait peine à voir. Pourquoi la martyrisez-vous ainsi? Mais Don Sacramento, je vous l'ai dit, je suis sorti, je ne pouvais pas fermer l'œil. Ma pauvre Marguerite s'est évanouie. Sur le canapé mauve du salon, elle croyait que vous étiez mort. Pourquoi étiez-vous sorti, monsieur? J'avais un effroyable mal de tête, Don Sacramento. Mais ça n'est pas une raison, monsieur. Les personnes convenables ne sortent pas la nuit. Vous êtes un romanichel. Ah non, monsieur. Si, monsieur. Si, monsieur, vous êtes un romanichel, il n'y a que les bohémiens qui se promènent la nuit dans les rues. Mais puisque je vous dis que j'avais une migraine abominable. Vous n'aviez qu'à mettre deux rondelles de pommes de terre sur vos tempes. Je n'avais pas de pommes de terre, monsieur. Les gens convenables doivent toujours avoir une pomme de terre dans leur poche, monsieur, et du taffetas gommé pour les coupures. Je parie que vous n'avez pas de taffetas sur vous.
Ah non, en effet, je n'en ai pas. Vous voyez, vous êtes un bohémien. Ah, quand vous serez marié avec la petite, vous ne pourrez pas mener une vie aussi déréglée. Pourquoi ce désordre dans votre chambre? Pourquoi tous ces papiers? Pourquoi toutes ces boîtes de sardines vides? Et que fait ici cette crécelle? Non mais les chambres d'hôtel de deuxième ordre sont comme ça. Et nous sommes dans un hôtel de deuxième ordre, vous devriez le comprendre, Don Sacramento. Je ne comprends rien, monsieur, je ne vais jamais dans les hôtels. C'est là qu'on rencontre les grands escrocs européens et les vampires internationaux. Les gens convenables restent chez eux et reçoivent dans leur cabinet de travail avec les meubles dorés et les vieux portraits de famille. Pourquoi n'avez-vous pas mis dans cette chambre les portraits de vos ancêtres? Mais je ne passais qu'une seule nuit ici. Mais ça ne fait rien, vous auriez dû mettre des portraits sur les murs. Il n'y a que les assassins et les faux monnayeurs qui n'ont pas de portraits de famille. Vous devriez avoir votre grand-père en uniforme de colonel. Il n'était pas colonel, il était comptable, monsieur. Eh bien, en uniforme de comptable. Les honnêtes gens se font toujours photographier en uniforme, monsieur. Qu'ils soient comptables, colonels ou n'importe quoi. Vous devriez également avoir la photo d'un enfant en premier communion. Quel enfant? Qu'est-ce que ça peut faire, monsieur, n'importe lequel? Un enfant? Un enfant quelconque? Il y en a beaucoup. Oui. Le monde est plein d'enfants en costume de premier communion. Et il devrait y avoir aussi des images d'Épinal. On en voit dans toutes les bonnes maisons. Roméo et Juliette au balcon. Jésus priant au jardin des Oliviers. Napoléon Bonaparte. Dans son exil, de Saint-Hélène. Oh, quel grand homme! Napoléon, n'est-ce pas? C'était un militaire. C'est bien lui qui avait une main ici. Ça devait être rudement difficile, hein? Il n'y avait qu'un homme comme lui pour pouvoir se permettre une chose pareille. Et son autre main, il la mettait dans son dos. Effectivement, voilà. Effectivement, il la mettait... Comme ça. Il la mettait comme ça. Oh, quel homme! Napoléon Bonaparte. À repos. Il faudra donc vous ranger, mon garçon. Vous vivrez chez moi et ma maison est une maison honnête. Vous ne pourrez plus vous promener la nuit et de plus, il faudra vous lever à 6h15 pour prendre votre petit déjeuner à 6h30. Du café au lait et des tartines. Je déteste le café au lait. Tous les gens bien doivent aimer le café au lait, monsieur, c'est une tradition. Depuis 1644, mes ancêtres en ont toujours pris à leur petit déjeuner. Moi, je préfère les œufs au jambon. Mais il n'y a que les bohémiens, monsieur, qui mangent des œufs au jambon à 6h du matin. Et les Anglais. Non, ma femme ne tolère aucune fantaisie en matière culinaire, monsieur. Et en aucune matière, d'ailleurs. Je vous préviens, jamais de cinéma, jamais de théâtre, rien qui ressemble à la bohème. À 7h, le dîner et après, couche-couche. Oui, le matin, le dimanche, enfin, veux-je dire, nous faisons une petite fête. Oui, parce que il faut bien se détendre l'esprit, que diable. Elle ne marche plus. Ah ben, attendez. Voilà. Merci. C'est ça. Alors ma fille, le dimanche, jouera du piano et peut-être, avec beaucoup de chance, nous recevrons des visites, ou des personnes très convenables, évidemment. Par exemple, j'inviterai Monsieur Smith. Monsieur Smith est quelqu'un de très connu. C'est le centenaire le plus fameux de la province. Oui, vous passerez des soirées passionnantes à parler avec lui. Et sa femme viendra aussi. Quel âge a-t-elle, sa femme? Rassurez-vous, ça n'est plus une gamine. Non, je crois même qu'elle est son aînée. Oui, mais quel couple touchant. Et s'ils tombent morts pendant que je leur parle, mais qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu? Ah, les centenaires ne meurent jamais, monsieur, sinon vous serez leur mérite. Mais qu'est-ce que ça sent dans cette chambre, monsieur? Depuis que je suis ici, je flaire comme une odeur bizarre. Hein? Oui, très bizarre et qui n'a rien d'agréable, d'ailleurs. Ah, mais ils ont dû laisser la porte de la cuisine ouverte. Non, monsieur, non. C'est comme une odeur de chair humaine en décomposition. Mon Dieu, elle est morte. Mais quelle est cette odeur, monsieur? Il y a un cadavre ici. Dans les hôtels de deuxième ordre, ça sent toujours le cadavre. Non, monsieur, c'est ici. Ah! Oh, ben, nous y sommes, parbleu, un lapin mort. Mais c'est lui qui dégageait cette odeur. Ah, je vous préviens, monsieur, chez moi, pas de lapin. Pas plus que de poule. Elles abîment tout. Mais non, ce n'est pas...
Un lapin, c'est une souris. Oui ? Une souris ? Oui, monsieur, une souris. Il y en a énormément ici. Ah, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Ah, mais c'est que dans les hôtels de luxe, elles sont beaucoup plus petites. Ah, oui. Et c'est vous qui l'avez tué ? Oui, avec un bâton. Le patron donne un bâton à chaque client pour tuer les souris. Oui, mais ce chiffre qu'elle a au cou, là... Un seul ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben non, ça, ce n'est pas un chiffre, c'est un numéro. Il y en a tellement que le patron leur donne des numéros pour organiser des concours. Et au client qui a par exemple tué le numéro 13, il donnera un réveil matin ou bien une automobile. Quel dommage que vous n'ayez pas gagné le réveil matin, monsieur. Et qu'est-ce que vous comptez faire de cette souris ? Ah ben ça, je n'y ai pas pensé encore. Oh, si vous voulez, je vous la donne. Vous n'en aurez pas besoin ? Non, non, ce n'est pas un numéro gagnant. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je la donnerai à mes neveux pour qu'ils s'amusent. Ils vont voilà. Être aussi contents. Oh, vous n'êtes pas un mauvais bougre, au fond. Voyons, il est 6h15, 6h43. Dans quelques moments, la voiture viendra vous chercher pour aller à l'église. Tout est prêt. Que d'émotion. Dans quelques heures, vous serez l'époux de ma petite Marguerite. Oh! Oh, Dionysio, je voudrais déjà être chez moi pour donner ce cadeau à mes neveux. Ils vont en pleurer de joie, les pauvres petits. Hein. Est-ce que vous voulez aussi leur donner la crécelle ? Non, la crécelle, c'est pour moi. Comment as-tu caché ça? Tu vas te marier, Dionysio? Oui. Naturellement, tu n'étais pas non plus jongleur. Non. Je m'en vais dans ma chambre. Es-tu blessé? Et s'il t'a fait, Bubi? Il m'a donné un coup, rien d'autre. Il m'a mis KO et j'ai dû perdre connaissance à un moment. Il est très brutal, bébé. Il a toujours le dessus. Et il a toujours raison. Alors tu vas te marier, Dionysio? Oui. Je m'en vais dans ma chambre. Non. Je t'en prie. Pourquoi? Parce que... La chambre ici est bien plus belle. De cette fenêtre, on voit la mer. Tu vas te marier? Tout à l'heure? Oui, je me marie, mais si peu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Je ne sais pas. J'ai eu le pressentiment que c'était ridicule. Et je vois maintenant que je ne m'étais pas trompé. Je me mariais parce que j'ai passé ma vie dans un triste village. Et que je croyais que pour pouvoir être heureux, on devait se fiancer à la première fille dont le regard vous avait fait battre le cœur. J'adorais ma fiancée, oui. Et maintenant, je me rends compte que ce n'est pas avec elle que je pourrais être heureux. Elle n'aime pas manger du crabe au bord de la mer. Ni s'amuser à faire des châteaux de sable. Elle ne sait même pas nager. Quand elle est dans l'eau, elle pousse des petits cris ridicules. Comme ça, ouille, ouille. La seule chose qui l'intéresse, c'est de chanter les pêcheurs de perles en s'accompagnant au piano. J'ai cet opéra en horreur. Elle a une voix de mirliton. Elle fait des vocalises sans arrêt. Je ne savais pas tout ce que les voix de mirliton contiennent de bêtises. Ni qu'un petit air idiot peut nous inonder de joie et nous donner une envie de sauter au plafond. Avant de te rencontrer, je ne savais rien.
si ce n'est me promener en tournant autour du kiosque à musique. Je me mariais comme on se marie toujours dans mon petit village. Et c'est fini. Voilà. Je ne l'épouserai pas. Je ne peux pas accepter de boire du café au lait à 6h30 le matin. Je suis un bohémien, oui. Et le plus extraordinaire, c'est que je ne savais pas avant de te rencontrer cette nuit entre le nègre et la femme à barbe. Me marie plus. Je partirai avec toi. Et j'apprendrai à jongler avec mes trois chapeaux claques. C'est très difficile de jongler avec des chapeaux. Ils tombent toujours par terre. Mais je pourrais apprendre à danser comme toi et comme Bubi. Mais c'est très difficile aussi de danser. Ça fait mal aux pieds, on gagne à peine de quoi vivre. Je prendrai vie et impatience. Et je finirai bien un jour par avoir une tête de vache et une queue de crocodile. Ça demande encore plus de travail. Et une queue de crocodile, c'est très gênant pour s'asseoir. Je ferai n'importe quoi pour partir avec toi. Tu m'as bien dit que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Et tu l'es. Tu l'es tellement que dans quelques minutes tu vas te marier, que je ne le savais pas. Mais Paula, il est encore temps. Écoute, nous quitterons tout et nous irons à Londres. Tu sais parler l'anglais? Non, mais nous irons dans un petit village en Angleterre. Les gens de Londres parlent anglais parce qu'ils sont tous riches et qu'ils ont tous beaucoup d'argent à dépenser pour apprendre toutes ces bêtises. Mais les gens des villages d'Angleterre sont pauvres et ils parlent comme dans tous les autres villages au monde et ils sont heureux. En Angleterre, il y a trop de détectives. Eh bien, nous irons à La Havane. Mais à La Havane, il y a trop de révolution. Eh bien, nous irons dans le désert, alors. Mais là-bas, il n'y a que des milliardaires neurasthéniques. Les déserts sont pleins de snobs et de piscines. Alors, c'est que tu ne veux pas partir avec moi. C'est vrai. J'ai pas envie de partir avec toi. Et pourquoi ? Le jour va se lever, Dionysio. Les petites lumières du port ne brillent plus. J'aimerais bien savoir qui les a éteintes. Ça doit être l'allumeur de réverbère. Paula, tu ne m'aimes pas. J'ai froid. Viens contre moi. Est-ce que tu aimes... Tu aimes... Bubi? C'est un mauvais garçon, mais c'est mon ami. As-tu beaucoup de fiancés avant lui? Un fiancé dans chaque province. Partout, il y a des hommes qui vous font la cour. Un amoureux dans chaque ville, à vrai dire, c'est amusant. Mais le malheur, vois-tu, Dionysio, c'est que tous les garçons bien que j'ai connus étaient déjà mariés. Pourquoi n'a-t-il pas de célibataire dans le monde? Parce qu'elle est toujours au football. C'est ennuyeux. Dionysio, montre-moi la photo de ta fiancée. Non. N'aie pas de scrupules. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour finir, on me la montre toujours. Tiens, regarde. C'est ça? T'as aussi une boucle de cheveux? Ah non, ça, c'est Madame Olga. C'est elle qui me l'a offerte. C'est un morceau de sa barbe en souvenir d'elle. Tiens, voilà sa photo. Mais elle est affreuse, Dionysio. Oui. Elle a beaucoup de grains de beauté. Elle en a 12. Comme ses yeux sont tristes. Elle n'est pas bien belle, tu sais. Non, mais ça... Une photo qui n'est pas très très bonne, mais elle en a une autre où elle est déguisée en colombine. Tu vois, elle a pris une pose, comme ça, là. De profil? Oui, de profil, là, comme ça. Et elle est mieux? Elle est mieux, oui, parce qu'on ne voit plus que 6 grains de beauté. Je suis bien plus jeune qu'elle. Oh oui, elle a 30 ans. Moi, je ne sais pas exactement mon âge. Personne ne me l'a jamais dit. C'est drôle, n'est-ce pas?
Avant, j'avais une amie qui est mariée. Elle était danseuse avec nous dans la troupe. Chaque fois que j'allais chez elle, elle marquait ma taille sur le mur de sa salle à manger. Il y avait des tas de petites encoches. C'était merveilleux. Puis un jour, j'ai cessé de grandir. Est-ce que ça veut dire que je deviens vieille? Qu'est-ce qu'elles deviennent, les filles comme moi, quand elles sont vieilles? Je suis bien plus jolie qu'elles. Hein? Mais tu es beaucoup plus belle qu'elles. Et tu es même la plus belle de toutes. Je veux pas me marier, tu sais. Laisse-moi dormir maintenant. Viens. J'ai un peu sommeil. Se mets ta tête contre mon épaule. Endors-toi, là. Comme ça. Embrasse-moi, Dionysio. Ta fiancée ne t'aimera jamais? Non. Pourquoi? Elle dit qu'elle ne peut pas avant le mariage. Même pas une seule petite fois? Même pas une, non. Elle dit que les préjugés lui serrent la gorge. Les préjugés. Pauvre fille. C'est pour ça que ses yeux sont si tristes. Embrasse mon corps de mon vieux. Paula, je ne veux pas me marier. Je ne serai pas heureux. Tout a changé en quelques heures. Viens, on part ensemble. Est-ce que tu m'aimes? Laisse-moi dormir maintenant. On est si bien comme ça. Dionysio! Oh Dionysio! Il est 7 heures! Il est temps de vous préparer! La voiture ne va pas tarder! Il est 7 heures, Don Dionysio! Il est 7 heures! Oh, il est déjà 7 heures. Dionysio? Il faut que tu t'habilles pour la cérémonie. Oh non. Allez, viens. Viens vite faire ta toilette, mon chéri. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais si, viens. Non, mais je vais m'enrhumer. Puis j'ai terriblement froid. Ah ben justement, ça te réchauffe. Hein. Bon, tu peux pas avoir l'air endormi, écoute. Sinon, le curé te grondera. Les enfants du cœur aussi. Tout le monde te grondera. Allez. Allez. Mais j'ai froid, je suis en train de me noyer. C'est mieux que ça. Voilà. Et c'est toi maintenant. Allez, il faut te peigner. Non, je vais le faire. Ne viens pas. Comme tu seras beau dans mes yeux. Peut-être même que tu trouveras une autre fiancée. Le chapeau claque maintenant. Oh, oh bah c'est parfait. Mais tu peux pas mettre ça, ils sont tous abîmés. Ça y est, j'ai une idée. Pendant que tu t'habilles, je vais t'en chercher un à moi. Il est presque neuf, je le mets pour mon numéro de claquette. Don Dionysio! Don Dionysio! Don Dionysio, tout est prêt. Faites vite! Don Dionysio! Ben oui, où est-il? Don Dionysio, ouais. Tout est prêt. Le couloir est décoré de fleurs et de guirlandes. Les hommes sont endimanchés et on va jeter des confettis sur votre passage. Les femmes de chambre jetteront des miettes de pain et mon chef cuisinier, en votre honneur, va faire un lâcher de pigeon. Oh, mais pourquoi est-ce que vous êtes donné tant de mal? Mais j'aurais fait la même chose pour mon pauvre enfant, Don Dionysio. Vous savez, mon pauvre petit, celui qui s'est noyé dans le puits. Non, j'ai invité tout le quartier, la foule va vous attendre au portail. Les femmes et les enfants, les jeunes et les vieux, les gendarmes et les vieillards. Dépêchez-vous, Don Dionysio, tout est prêt. Dionysio? Voilà. Viens, il y a le trouvé. Viens l'essayer. Ah bah tu vois, c'est peut-être celui qui te va le mieux. Mais Paula, ce n'est pas possible, c'est un chapeau d'artiste, ça. Oh bah justement. Tu l'auras sur la tête, tu penseras des choses amusantes. Dans le col, la cravate. Paula, je ne veux pas me marier. Je ne saurais rien dire à ce vieux centenaire et je t'aime à la folie. Comment? Tu pleures maintenant? Mais c'est parce que tu me pinces. Mais si, j'ai pas fini. Attends, il y a la cravate. Voilà. Comme ça.
Maintenant la jaquette. Et le mouchoir dans la poche. C'est donc comme ça qu'on s'habille pour un mariage. Dis, t'en as déjà vu des mariages? Comment c'est? J'en ai jamais vu. Je me couche trop tard, j'ai pas le temps d'y aller. Mais ça doit être comme ça. Viens. Je suis la fiancée en grande robe blanche avec une longue traîne de tulle. J'ai pris ton bras. Et nous entrons dans l'église. Très sérieux tous les deux. Et au fond de l'église, il y a un vieux curé très sympathique. Avec des gants blancs. Les curés ne portent pas de gants blancs, Paula. Tais-toi. Il y a un vieux curé très sympathique et nous saluons. Bonjour, vous allez bien? Et vos enfants se portent-ils bien? Et le sacristain, ah, il va bien aussi. Et les enfants de cœur sont-ils tous bien sages? Et nous les embrasserons. Tous. On n'embrasse pas non plus les enfants de cœur, Paula. Mais moi, je les embrasserai. Parce que c'est moi la fiancée. Et que je fais ce que je veux. Mais c'est que, précisément, ce n'est pas toi qui es la fiancée. C'est vrai. Quel dommage que ce soit pas moi, Thérèse. Paula, viens. On part ensemble. Je ne veux pas me marier. Oui. Cache vite. Je ne veux pas... Il ne faut pas qu'il se trouve ici, hein. Oui, voilà. Don Dionisio. Ça y est. La voiture vous attend. C'est un carrosse blanc avec deux laquais noirs et deux petits chevaux blancs tachés de café au lait. Oh, les beaux petits chevaux. Déjà, les femmes de chambre lancent des confettis et les garçons de café des miettes de pain. Dépêchez-vous, Don Dionisio. Oui, je viens. Non, passez devant. Je vous suis. J'agiterai un drapeau d'une main et de l'autre, je jouerai du cornet à piston. Je voudrais dire au revoir. À la chambre? Mais vous n'y pensez pas. Les chambres d'hôtel sont toutes les mêmes. On n'y laisse jamais de souvenirs. Venez vite, Don Dionisio, vite. Adieu. Vite. Vive la jeunesse. Vive l'amour. Vive les fleurs.